waxaan ka qayb galnay in badan inaan dad isku yeedno sanad kastana waxa ka soo qayb gala ee caasimadu intay leedahay maanta waxa wasaaradda naga haysta dhibaato taayan soo qoranay demando ku saabsan inaan deehelno wixii baahiya ee too waxa lagu dhig lahaa midda koobaad waxaan sharagnay ee wasiiradu ku adreesay ee xogaha guud ee iyo digirta sportka ee lagu magacaabo oo dhameeshayda markaan sharagnay biroga ugu tagnay ee halka digirta sportki wuxuu nagu jooyay meesha wax ma yaalaan waxbana dhalinyarta lagma hayo waa midda koobaad taasi waxa weeyaan siday dhibaatadeeda leedahay waxa weyan wasaaraddu annaga noo furan tahay oo dhallinyara waa inaan la helo baahida wixii lagaga bixi lahaa iyo siday dinoola qaban lahayd taas waa midda koobaad ta kale waxa weeyaan sanad kasta waxay qabataa turnuwa waxa lagu magacaabo turnuwa dt iyo rabadaan bay wasaaraddu qabataa waxaan nahay annagu khaas ahaan ragga ka qabanqaabiyo ee xaafadaha uga qabta tartanka sanad kasta waxaan dhex joognaa lix iyo toban qof oo lix iyo toban kleb oon annagu ciyaarsiinaa oon isku keenna midda ugu horraysa albiitarka deesha ilaalinaya amba xaakimka meesha dhex joogay waxaa kala maamulaya wuxuu u baahan yahay lacag feega annagaa bixina wasaaradda kuma dhaado madaxweynuhuna wuxuu sameeyey ilaahaa ka raalli ahaade fond de la jeunesse sanduuq lagu maalgeliyo dhallinyarta taasi mahad baad madaxweyne ku leedahay sida dhallinyarta u gacan qabatay aad ugu sara joogtay anugu su-aashaydu waxa weeyaan inaan qofka loo helo lacag albiitarka amba dee ciyaarsii dadka kala xakumaya midda kalena waxa weeyaan lix iyo toban kleb weeyaan labada kale markay isku yimaadaan waa kuwa toban iyo kuwa toban iyo dadkii la socday waa inaa dadkaas loo helo dad kala ilaaliya askar annagu ma nihna askar annagu waxaan nahay qabanqaabiya waxbaan qabanqaabina waxbaan isku keenna wasaaraddaan u celinaa wixii mood ee soo baxa intaabaa badisay maanta qoladaada laga badisay middaas waa mid waan soo baa waan soo badagaabinayaa midda kale ee saddexaad ee u dambaysa madaxweyne cishadii u dambaysay halkan waxaan ku rijeesejese maanta baahideedu dhallinyarta xumbul markaan ku noqday aad baa loo ammaanayay maanta baahideedii baad sheegtay baa la lahaa mar saddexaadna wasaaraddaan ugu celinaya baahidaa si loo tirtiro oo noo qabto defenseka meel baa jira brigaadka oo bannaan mudana madaxweyne brigaadka xumbul wuxuu maanta bannaan wiin banaysanaa aadna siin kartid adigu mudnaantana cishadii waxaan kuu siiyey adigaa maanta xilkaa qaadan kara adigaa na siin kara wasaaraddana way nala gacan qaban kartaa waad isku mahadsan tahayna responska waan kaa waad mahadsan tahay madame la ministre nous allons donc nous allons donc recueillir une dernière question et nous allons vous passer la parole sans plus attendre monsieur Yahya Djibril pour une dernière question destinée à madame la ministre de la jeunesse et des sports Salam alaikum, je suis un étudiant de l'université de Djibouti, particulièrement une BTGAC. À ce jour, j'ai eu l'occasion de participer, de présenter mes propositions. Mais il faut écouter attentivement. Si je m'en bats, monsieur le président et madame les ministres, j'ai pas entendu durant ma vie, et même que les 10 ans, que vous êtes là ici en tant que président de la République, un projet de construction des CDC qui parle particulièrement au quartier Ténèbre, c'est-à-dire auprès des cités Chansemains. Alors que les autres quartiers de la République disposent au moins un CDC. J'espère que notre quartier ne fait pas partie de la République et ne prend pas une part la politique du président concernant sur tous les domaines, plus particulièrement au sport, puisque ces quartiers sont isolés, marginalisés par rapport aux autres quartiers de la République. Ma question, monsieur le président, et le président, il y a waxaa weeyaan waxay ku ciyaaraan dikadda agtooda taraanadu dee kota kubaddu ka soo ordo isjiidka hoos galaysaa
يسجد في سوق كوجاسو ويقرح ساقو بنيس كنت يقرح هذا يسجد في ولا جورجينا يا هادو جوكسو ايو ولا شيدا يالي سيدا تالو غدد بادو وانا نوديستا ان سيدي سي كابلو ان ساسلا توتال جوسكا بالكي ان حريدا عبدانيستي ما هي سنو سيدي سي شيدك شيدك هذا كيف سواي دي حرب الاسلالي سيدي بين مشاكل ده ما يبقى كريم سيدي بريزيدون شيدك هذا سنو كيف سواي لها وين سيدي سي نوشا مسا دي هذا كيف سواي دي كيكي ستيك دي والا عيقابي بلا يا ها يعني لما دتك هلكا جوغين ومراكس ومراكس فريا بريزدانكا ووري واحد جيسو هبين كين ولا هبين كين مكبول بدع يختي ما يسو انا ديسور يعني واحوه ايان ايد الدرو ايد الدرو ايان دتك والد كو ايسيد ايان ay ku sii daayeen magaalada weyn ah oo baabuur kastaba magax ku jiiday isma wala ministre de la jeunesse des sports pour des éléments barnaamij uu ku jiraa balayni aan hadda jirto gabadha sheegay reer xayabley سيدي سي أيوه كده حجرا عبد سيدي سي كان إنه قد يقبل بلد وسأل يقنتم أن عفلوا له حتى من الله ما عفوا الله بحي هاي كم تأمي أفكروا كنت بتعمل هيدا هاي Voilà, nous vous proposons d'écouter maintenant la réponse de Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à la première question de Monsieur Racine, je pense que je devrais être flatté quand on dit que depuis que je ne suis plus à la tête du CNJD, ça ne marche plus. Mais ce n'est pas le cas, c'est une situation, la situation que décrit M. Racine est fausse. Déjà, quand j'étais à la tête du CNJD, on ne le voyait pas, mais il paraît que depuis que je suis devenue ministre, on ne le voit plus du tout. Il s'occupe juste d'aller dans les manifestations internationales, mais au CNJD, qui est où il y a un intérim qui est assuré, en application des statuts. Le mandat était de 3 ans. Quand j'ai quitté la tête du CNJD, j'étais à la tête depuis 1 an. Il restait 2 ans. À partir de maintenant, il reste 1 an. Donc l'intérim est bel et bien assuré conformément au statut. Et conformément au statut et au règlement intérieur, les élections auront lieu. Voilà. La question concernant le terrain de quartier 7, à côté de le CDC, effectivement il y a eu un changement dans les plans initiaux, mais le CDC sera bien et bien construit. À côté de l'école de Guélébatane, on a eu un terrain et cela sera fait. Concernant la question posée par M. Aouled sur le semi-marathon, je ne pense pas que génétiquement nous soyons condamnés à perdre, bien au contraire. Et c'est pour ça que nous avons initié cette opération de détection, que nous avons appelée Opération Espoir, où une cinquantaine de jeunes sont sortis, des jeunes espoirs. Et récemment, ces jeunes espoirs, une dizaine ont participé au championnat des cadets qui ont eu lieu à Addis Abeba, et ils ont réalisé les minima mondiaux et ils vont pouvoir ainsi participer aux championnats de cadets qui vont avoir lieu bientôt. Donc il n'y a pas de fatalisme, bien au contraire, l'opération que nous avons menée est porteuse d'espoir, mais il faut bien savoir que ce n'est pas du jour au lendemain que des athlètes sont formés, c'est un investissement sur plusieurs années, et déjà en 6 mois nous avons obtenu des résultats puisque un des jeunes que nous avons sélectionné a pu être sélectionné et a réalisé les minima mondiaux, chose qui n'était pas arrivée depuis bien longtemps.
En ce qui concerne la demande des jeunes issus de l'IDA,